Sage-femme de Neuve et Fro, les deux Catherine font la paire. Martin Provost s'est offert un duo de luxe pour sage-femme, comme dit grave, tendre et farfelu. Catherine Deneuve, en bourgeoise atteinte d'une maladie incurable, fait souffler un vent de folie bienvenue dans la vie de la trop coince Catherine Fro, accoucheuse mal dans sa peau qui tombe sous le charme des Olivier Gourmet. J'ai hérité pour elle, déclarait le réalisateur de Esraphine, 2008, et Violette, 2013. Le film serait tombé elle aussi, elles avaient dit non. Martin Provost est souvenu de la sage-femme qui lui a sauvé la vie en lui donnant son sang au moment de sa naissance pour imaginer ce scénario mettant en scène les deux grandes actrices. Un matin, j'ai rêvé que Catherine Fro me mettait au monde, explique-t-il. J'ai pensé ce titre et je me suis mis au travail. Pour 20 minutes, le cinéaste accepte de comparer les deux Catherine. La rencontre. Catherine Fro a le même agent que Martin Provost. Elle savait donc qu'il écrivait pour elle. Et elle a dit oui dès la lecture du scénario, raconte le cinéaste. Catherine Deneuve, en revanche, a demandé le rencontrer. Elle m'a posé plein de questions, dit-il, notamment sur le Liban, dont est originaire ma belle famille. J'étais dans mes petits souliers, et après m'avoir bien observé, elle m'a finalement dit qu'elle allait faire le film. Ce contact préalable lui était nécessaire. Le elle cher prise. Aucune des deux actrices n'a eu besoin de répétition. J'ai tout de suite compris que ces grandes dames préféraient que je saisisse l'instant, explique Martin Provost. Il a cependant encouragé Catherine Fro ce elle cher. Elle était beaucoup plus dans le contre-le que sa partenaire. Elle ne s'est abandonnée que progressivement. J'ai été très fière quand elle m'a crié je ne sais plus ce que je fais derrière ravi. En fait, leurs rapports ont voulu de la même façon que ceux de leurs personnages. La folie et la sensualité. Martin Provost a poussé ses actrices fond. J'ai eu l'impression que Catherine Deneuve trouvait un plaisir ludique jouer cette dame fofolle et condamneuse. J'y en oubliais son GE et m'étonnais de l'entendre parfois dire qu'elle était fatigueuse. Catherine Fro a laissé libre course à Fmini. Je lui disais tout le temps que je voulais voir son corps car c'est une TRS belle femme dont la sensualité apparate en aime tant que celle de la chair au nœud que elle incarne. Et sinon, le point commun de ces deux actrices. Le talent.